C'est un océan de sommets à perte de vue, une succession de pics et d'arêtes, un décor d'où émane une puissance minérale hors du commun. L'Alpe d'Huez, station de ski perchée à 1900 mètres d'altitude, est également un carrefour pour les cyclistes du monde entier, une destination qu'il faut prendre d'assaut lorsqu'on est féru de vélo. Il y a 13 ans, le triathlon a ajouté ses atouts au service de la station. À l'initiative d'un champion, Cyril Neveu, champion du monde, les triathlètes ont progressivement pris possession des lieux. La lumière, l'espace, la rudesse, l'accueil, peu à peu, l'épreuve a grandi, grossi pour devenir un point de rencontre incontournable. C'est un triathlon qui est excessivement bien organisé, je le trouve magnifique. Et le parcours est extraordinaire, il est très difficile, très challenging comme on dit. Et en fait, ouais, j'aime bien l'ambiance, je trouve que c'est un triathlon vraiment de très haut niveau par l'organisation et qui est pris de façon très relaxe par les gens qui ne se prennent pas la tête, quoi. Et c'est ça que j'apprécie tout particulièrement ici. Ouais. Je m'appelle Colin Arros, j'ai 25 ans. Je fais du triathlon depuis je ne sais plus trop quand d'ailleurs. Je suis breton, j'habite un peu à l'opposé de la France d'ici. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien venir par ici parce que ça dépayse et puis voilà, c'est vraiment des décors que je n'ai pas l'habitude de voir chez moi. Donc, les premières fois où je suis venu sur le triathlon de l'Alpe d'Huez, en fait, c'était de façon assez basique pour un jeune, c'est-à-dire que mon père faisait du triathlon. J'ai vu la course quand il la faisait et je me suis dit « Ah, j'aimerais bien faire la même chose, pourquoi pas ?» Une histoire de séduction, comme d'habitude. Sur les rives du lac du Vernet, spécialement accessible pour l'occasion, les concurrents sont conscients de leurs privilèges. C'est aussi pour cette raison que tous se donnent les moyens d'en profiter pleinement. Comme évidemment, c'est une course que tout le monde prépare à l'année. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension. Et on l'a dès le matin quand on se lève, on l'a dans le parc à vélo et on l'a évidemment sur ce fameux départ natation. Il y a peu de triathlons comme ça, où on est dans un lac de montagne. On est vraiment comme, presque enfermé dans la montagne. C'est le matin, tout le monde est motivé, un peu silencieux. ...1300 inscrits au départ de cette édition 2019 du triathlon longue distance, qui régulièrement modifie, améliore, peaufine son profil. Cette année, les dames ont pris le départ seules, d'abord, et sous les vivas du public, à 9h30. Une centaine de compétitrices, parmi lesquelles Daniela Reef, quadruple vainqueur de l'Ironman d'Hawaï, et sans aucun doute, la triathlète féminine la plus emblématique à l'heure actuelle. Au programme, 2 km de natation pour débuter dans les eaux fraîches du lac de Barrage. Un aller-retour porté par une eau limpide et douce. Le fait que les femmes soient parties un quart d'heure avant, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Ne serait-ce que pour le côté que... Il n'y a pas assez de femmes dans le triathlon, on les met passer en avant, les avoir fait partir un quart d'heure en avant. Pour le spectacle, les gens se rendent compte que les femmes font aussi un effort exactement le même que nous, alors qu'habituellement, quand elles partent en même temps, instinctivement, quand on voit les femmes derrière, on se dit « Ah, bah c'est moins valeureux quand même, c'est moins important. » Donc pour ça, très bien. ...9h45, au tour des bonnets bleus de s'élancer. C'est un peu plus bruyant, un peu moins gracieux, mais très spectaculaire. 1200 nageurs supplémentaires qui entament une belle journée, les yeux dans les pieds des voisins. Le début de la natation, j'ai eu du mal. C'est tout à fait normal parce que je manque un peu de jus pour pouvoir partir vite. Donc je pars, j'étais dans tous les bonnets bleus des groupes d'âge, alors que normalement je suis plus vers l'avant. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, hein, tu nages comme ça et puis t'attends le truc. Patienter, le temps que le peloton s'étale et les appuis deviennent plus faciles. À partir de cet instant, glisser devient un vrai jeu, une véritable émotion. La natation, c'est toujours assez sportif, assez compétitif, un peu comme en athlétisme sur piste, quand on nage dans les 50 premiers, comme ça m'arrive souvent. Du coup, il faut prendre des pieds. Il faut des fois lâcher des pieds quand c'est trop rapide, prendre des pelotons, regarder ce qui se passe. Et rapidement, je me suis mis dans un gros paquet qui était le premier peloton véridique. La natation progresse, tous les nageurs profitent de cet instant. La lumière est belle et devant,
deux nageuses se sont détachées. Daniela Riff, sans surprise, accompagnée par Nina Deron. Deux Suissesses aux avant-postes qui sortent de l'eau. Après un temps de 30 minutes et 23 secondes, le public en masse est venu soutenir ces femmes, ces athlètes, cette championne. Daniela Riff, je vous le disais, 4 fois vainqueur de l'Ironman d'Hawaï, 4 titres de championne du monde sur half distance, enfin sur half Ironman, coachée par Brett Sutton, elle est là bien sûr. Carrie Lester est également présente à l'Alpe d'Huez, l'Australienne, 3e ici même l'an passé. 2 victoires à l'Ironman France 2017 et 2019, vainqueur de l'Ambraman en 2016 et 2018. Énorme plateau féminin, très spectaculaire. Les sorties de l'eau s'enchaînent. Derrière Riff et Deron, Lester, Curidori, Cunnings et Tondeur. 35 minutes 22 pour la jeune Belge récemment titrée au plus haut niveau international, championne du monde de triathlon longue distance. Autour de ces messieurs, de pointer le museau hors du lac, et le premier d'entre eux, c'est lui, Stéphane Gomez. Rodez Triathlon, 28 minutes 23, devant l'Espagnol Juan Rubireta. Stéphane Gomez, qui s'est récemment qualifié pour disputer les championnats du monde Half Ironman à Nice au mois de septembre prochain. Troisième position de dos, Baptiste Neveu, le fils de Cyril et Laurence Neveu. 29-48. Suivent Marc Houde-Béninck, Romain Guillaume un peu plus loin et d'autres. Colin Rose, lui, va sortir de l'eau en un peu plus de 32 minutes. La natation, c'est fini. Autour du cyclisme d'exister. Voici les temps réalisés par ces messieurs et ces dames. Écart faible. Les dames, je vous le rappelle, qui sont parties 15 minutes plus tôt. Et les messieurs, Colin Rose, avec son maillot à fleurs, avec son vélo à fleurs, avec son esprit à fleurs. 32 minutes 19 pour couvrir les 2200 mètres de natation. William Menson, qui attaque à son tour le parcours cycliste. Il va abandonner William, mais on va le retrouver un peu plus tard dans la saison, puisqu'il va s'imposer tout simplement lors de l'Ambraman. Le parcours cycliste, le voici, 118 km de long et une première partie roulante, rapide, enthousiasmante, enivrante presque. Attention, à partir de ces Chiliennes au kilomètre 25, les choses se compliquent. C'est l'ascension du col de l'Alpe du Grand Cerf, un peu ombragé. Derrière, on va reprendre un petit peu confiance en soi, respirer, s'alimenter, s'hydrater. La température est très élevée parce que progressivement, on va aller en direction du col d'Ornon. Avant ça, on aura passé celui du Malisol, et c'est là, à partir du moment où on attaque cette vallée en direction du col d'Ornon, que le corps commence à se préparer tout simplement à attaquer la difficulté de ce parcours cycliste, l'ascension de l'Alpe d'Huez. La voici sous vos yeux, 21 virages, 13 km pour arriver à 1900 mètres d'altitude. Daniela Riff, en gros plan, qui profite de ses premiers kilomètres pour faire sécher son linge. Elle est sortie de l'eau en tête et on ne la reverra plus. Daniela Riff, un cran au-dessus de ses concurrentes, qui, à moins d'un accident, devrait conserver cette position jusqu'au bout. Nina Deron, Dossard numéro 13, Suissesse aussi, 4e à l'Alpe d'Huez en 2017. Carrie Lester, agressive, 10 victoires sur distance Ironman et qui aimerait bien monter sur la plus haute marche, ici, dans l'Isère. Elle a surpris son monde. Elle est sortie de l'eau parmi les premières, Chantal Cunnings. Elle est pour l'instant en deuxième position, Elisabeth Curidori, l'Italienne, championne d'Italie longue distance en 2018 et là aux avant-postes aussi. Dossard numéro 2. La nouvelle championne du monde longue distance, Alexandra Tondeur, la Belge, en pleine progression. Le plateau féminin est époustouflant et c'est un véritable mano à mano auquel nous allons assister. Lester qui revient lors de l'ascension de l'Alpe du Grand Cerf, d'abord sur Nina Deron, la Suissesse. Et devant, chez ces messieurs, c'est une bagarre franco-espagnole qui a lieu. Les Ibères sont rudes, disait Goscinny. Mais Romain Guillaume, le français,
a une expérience folle et un appétit à tout dévorer. Son objectif cette année, c'est disputer l'Embraman quelques semaines après cette épreuve. Il est donc prêt à lutter. Sommet de l'Alpe du Grand Cerf, le premier à y parvenir, c'est l'Espagnol Juan Rovireta que l'on apprend à découvrir, pompier à Barcelone et qui pour l'instant s'en sort plutôt bien, troisième du Half Ironman de Pamplune en 2019, remporté par Eneko Llanos. Il va rapidement céder le leadership de la compétition à Romain Guillaume et à son palmarès significatif. 3 victoires Ironman en Malaisie, à Lanzarote, au Canada, 10e à Hawaï en 2014. Donc mon vélo, voilà, c'est moi qui l'ai repeint avec voilà, des couleurs qui me correspondent. Et on peut prendre ça pour un peu de l'arrogance ou voilà, de la fougue de jeunesse. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est fondamentalement quelque chose qui me correspond, qui me va bien. Et quand je baisse les yeux avec la fatigue, bah, ça me rappelle que, dis, bah, écoute, recentre-toi un peu sur ce que tu as travaillé pendant toute l'année, sur qui tu as envie d'être, qui tu es, sur ce que tu penses que tu es capable de faire. Et voilà, c'est plus un moyen finalement pour me remettre focus. Progressivement, il revient vers la tête de la course, dossard numéro 33, Victor Del Corral, double vainqueur de cette épreuve. Ici donc, à l'Alpe d'Huez, c'était en 2011 et 2012. C'est un retour significatif de la part de l'Espagnol, pas forcément excellent ou à l'aise en natation, mais très puissant à vélo et en course à pied. Tout comme cet autre Espagnol dossard numéro 22, Albert Moreno. Passage au-dessus de la Romanche pour les athlètes. Les premières fois où je suis venu sur l'événement du triathlon de l'Alpe d'Huez, c'était pour faire les duathlons quand j'étais cadet, donc c'est à partir de 16 ans. Par la suite de ça, j'ai fait les triathlons courte distance. L'Alpe d'Huez, c'est la 14e édition du rendez-vous qui peu à peu s'est transformé en véritable festival. Triathlon, duathlon, différents formats de course, course pour les enfants, une animation permanente, dense, séduisante, du spectacle, des sourires, un véritable moment de partage situé à 1900 mètres d'altitude qui chaque année attire de plus en plus de passionnés, de curieux, de jeunes talents, c'est certain. Et en fait, pendant toutes ces années, j'attendais d'avoir 20 ans et de pouvoir enfin faire le triathlon longue distance. Dès la première fois, je fais 5e sur longue distance et je n'avais jamais anticipé faire une place comme ça. Et pour moi, c'était le top du topissime stratosphérique que je pourrais un jour faire dans ma carrière sportive. Ça m'a permis de faire un déclic, de me dire, bah non, en fait, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire et de vivre en sport. Et depuis ce jour-là, toutes les éditions depuis 2015, eh bien, je viens pour travailler, non pas des choses qui sont liées au classement ou à la place, mais des choses beaucoup plus personnelles. Lié à ce qu'on appelle la prépa mentale ou même lié à de la prépa physique, mais orienté plutôt sur le côté vraiment, vraiment moi face à mes possibilités, à ce que je peux travailler personnellement. Bon, bah c'est pas une grande journée pour moi, c'est grave. Pas le faire. Par contre, je serais à l'avis qu'on me propose un malus aux Espagnols et un bonus aux Bretons avec une météo comme ça. Parce que là, c'est totalement déloyal, je suis désolé. Ah, ils sont pas si loin que là. Ça va, ça va bien. Pas dispo. Pas dispo, eh. Allez, on est tout à voir. Ça chauffe énormément à hauteur de Valbonnet. La canicule s'est emparée de l'épreuve. Merci. Les concurrents souffrent, mais les concurrents sont suivis. 400 bénévoles qui, tout au long du trajet, prêtent attention aux compétiteurs. Ouais, je pensais pas que ça aurait été si dur. On va essayer d'aller au bout, mais c'est franchement pas simple. Je suis venu il y a 2 semaines avec mon père reconnaître le parcours et en fait j'avais tellement peur de l'Alpe jusqu'à aujourd'hui, hein. C'est que quand je suis revenu reconnaître le parcours, je me suis pas garé à l'Alpe, j'ai pas fini par l'Alpe, j'ai commencé par le col d'Ornon, on s'est garé à Entraigues pour pas que ça me laisse un souvenir de difficultés extrêmes ou quoi, parce que je pense que ce parcours là, qu'on le fasse facile à l'entraînement ou pas, on en chie toujours à la fin. Et donc j'ai fait au début et puis pour finir par le col d'Ornon et l'autre petit col.
Et j'ai fini relax avec mon père. C'était un moment sympa entre père et fils, et puis c'était cool. Ouais. Romain et Daniela roulent ensemble. Le Français a repris la Suissesse après 100 km de vélo. 15 minutes de retard, comblé. Mais ce n'est pas l'enjeu principal. Albert Moreno est à 3 minutes derrière, et c'est un bon coureur à pied. Victor Del Corral n'est pas très loin non plus. En ce qui concerne la course féminine, c'est un tout petit peu différent. Carrie Lester est à 15 minutes en retrait. Derrière Daniela Ryf, Alexandra Tondeur compte 20 minutes de retard sur la Suissesse au moment d'attaquer l'Alpe. Ryf écrase la course. Je crois que c'est une des épreuves les plus atypiques à laquelle je participe. J'ai été dépassé par le premier concurrent masculin au pied de l'Alpe. Je l'avais devant moi et ça m'a donné une envie supplémentaire. Ça a provoqué une réaction de ma part et je suis allé le chercher un tout petit peu plus tard. J'ai relancé ma course. Au début de l'Alpe, je double Daniela et je lui dis bah, j'espère que tu ne me rattraperas pas en course à pied. Et sur la fin de l'Alpe, elle me double et elle me dit bah, je te redouble. Bon, c'était rigolo, c'était un moment, un échange sympa. La réaction de la Suissesse, l'esprit du coach Brad Sutton, qui a préparé Nicolas Spirit, Caroline Stephen, Jody Swallow, Chrissy Willington, que des championnes, la marque de fabrique de ces compétitrices, capables de beaucoup et même plus encore. Évidemment que quand on arrive dans les 21 virages de l'Alpe d'Huez, on pense un petit peu au Tour de France et au côté mythique que tout le monde connaît, que tous les cyclistes, en fait, on vient tous pour ça d'ailleurs, on vient pour l'Alpe d'Huez. Et en plus, tu as un truc sympa, c'est qu'à chaque virage, donc t'en as 21 évidemment, tu as un panneau avec une figure légendaire du cyclisme. Donc tu peux te faire un petit rando tourisme à dire tiens, le virage de temps, qui c'est qui est sur le panneau. Bon, là encore j'exagère un petit peu puisque quand tu es dans l'effort, tu es surtout mis face au fait que l'Alpe d'Huez c'est mythique non pas pour le palmarès de cette montée, mais c'est mythique pour sa difficulté. Et c'est très sympathique de pouvoir aller de chiffre en chiffre comme ça. Et il n'y a que ce col-là, à ma connaissance en France, qui numérote ses virages avec des virages aussi réguliers. Donc je pense que le côté mythique est bien respecté. Pas trop mal. Franchement, je suis content, je suis au milieu de la poussesse, je suis pas trop fatigué. Je dis ça là, comme un virage de pète. Mais non, je suis très content. Till the skies turn blue, please don't leave me hanging on. Don't leave me hanging. I will stay with you. Yes, I will stay with you. Tant qu'on n'est pas hors délai, c'est bon. Faut avancer. C'est comme ça que ça va se passer. Et ça ira comme ça jusqu'au bout. Voilà, on va attendre un peu que les fortes pentes s'arrêtent quand on essaiera de remonter. Et après, on va continuer à courir. Hein. J'ai déjà commencé un petit peu, on recontinuera. En fait, la montée vers l'Alpe d'Huez est un moment plein d'humour et de bienveillance aussi. Fin du vélo pour Daniela Ryf. Le temps depuis le départ de l'épreuve, 4h48 minutes et 36 secondes. Elle a gravi l'ascension de l'Alpe d'Huez en 55 minutes et 1 seconde. 55 minutes et 1 seconde. Au tour de Romain Guillaume d'arriver dans l'aire de transition. Son temps 4h34.09. Une ascension réalisée en 55-22. À cet instant précis de la course, il compte 33 secondes de retard. 33 secondes de retard sur Daniela Ryf. Au tour d'Albert Moreno de pointer son museau, 4h41.35. 7 minutes de retard sur Romain Guillaume qui attaque son parcours pédestre, tambour battant. Carrie Lester à son tour,
5h13:55, 25 minutes de retard sur Daniel Arif. Le voici, ce parcours long de 20 km, 3 boucles à effectuer, 3 allers-retours en quelque sorte, qui vous amène de la station au col de Sarenne. J'ai fait un nombre de fois, je sais pas combien, la course. Ouais. La fierté, le bonheur que t'as en arrivant en Alpe d'Huez, jamais on se blase de ça. Il est heureux, Colin Arros, il adore cette épreuve. Elle lui rend bien. Les classements provisoires et les écarts surtout. ...20 km à 1900 mètres d'altitude, c'est une difficulté. La chaleur est omniprésente. Et l'athlète suisse, quelques mètres devant Romain Guillaume. Désormais, le jeu, c'est d'aller chercher Daniel Arif. Derrière, Albert Moreno ne peut pas faire grand-chose. Il doit subir, il doit laisser surtout Romain Guillaume conduire sa course vers une victoire ici à l'Alpe d'Huez. Carrie Lester, elle aussi, est impuissante. Elle va conserver sa deuxième position. Première apparition pour Arif à l'Alpe d'Huez. Première apparition pour Guillaume à l'Alpe d'Huez. Le scénario est plutôt favorable pour les deux compétiteurs. Alors là, j'ai 25 ans et retourner à mon moi de 20 ans et me donner un conseil pour faire mon premier triathlon longue distance. Et si je devais me donner ce conseil, justement, je donnerais quelque chose que j'ai mis plusieurs années à comprendre et que je trouve capital, en fait. C'est de distinguer le jeu de l'enjeu. Quand on arrive sur cette course-là, au début, c'est assez naturel, on est vraiment dans l'enjeu, on veut faire une place, on veut faire un classement sur la montée de l'Alpe d'Huez, on se compare avec les autres, avec ses amis. Et en fait, quand on arrive à sortir de l'enjeu et à se recentrer sur le jeu, eh bien, ça ouvre un champ de possibles qui est immense, c'est un terrain d'amusement qui n'a pas de limite. Et moi, c'est un jeu que j'adore, l'Alpe d'Huez, j'ai mis longtemps avant de comprendre ça, que c'est presque mon jeu préféré, c'est pour ça que j'attends toute l'année. Magnifique hommage de la part de Colin Arros. L'Alpe d'Huez a ses amoureux de plus en plus nombreux après chaque édition. Ici, l'engagement est presque relégué au second plan, tant le cadre, l'environnement, l'altitude accaparent votre esprit. Courir l'Alpe, c'est flirter avec les nuages, progresser en équilibre sur les cimes, avoir le sentiment d'être protégé par les montagnes. Rien ne peut vous arriver. Elle est partie devant, elle est partie seule. Et elle aura maintenu sa position jusqu'au bout. Daniel Arif franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. 6h15:57, c'est son temps. Romain Guillaume également franchit cette ligne en vainqueur. 6h02:52. Il n'aura pas rejoint Daniela. Oui, j'ai adoré cette course. Elle est magnifique, le décor est absolument incroyable. Bon, bien sûr, elle est un peu engageante. Albert Moreno termine la deuxième place, encore une fois, troisième, deuxième place ici. Et Kenneth Van Der Drich à la troisième position. On peut être déçu d'une course, mais les gens, ils sont là pour vous encourager, ils sont là pour le spectacle, ils sont pas là pour voir un athlète qui tire la gueule en arrivant. C'est la même chose pour les organisateurs, donc c'est important de donner aussi un peu de plaisir aux gens, même si nous on est déçus, c'est partie du job. Et puis voilà, voir les gens qui sont contents parce qu'on leur tape dans la main, c'est juste trop cool, quoi. Donc je crois que c'est important de mettre ces émotions de côté pour pouvoir en faire profiter les autres de temps en temps. L'analyse d'Alexandra Tondeur qui prendra la troisième position juste derrière Carrie Lester, l'Australienne. Le soutien, la satisfaction, les sourires importants. Et Colin Arros qui s'en termine à son tour en 6h38:56. Une nouvelle fois, l'Alpe d'Huez a son palmarès. La prochaine édition aura lieu du 27 au 31 juillet 2020. Et les inscriptions sont ouvertes dès le 15 septembre prochain. C'est pratique, alors. Bah, saisie, ça vaut le coup.